Pour moderniser et apporter de la luminosité à cette cuisine, j'ai commencé par tout retirer et direction magasin, là où j'ai acheté le plan de travail, le papier céramique, le robinet, le papier adhésif imitation blanc bois, la plaque de cuisson, la bombe de peinture blanche et le joint transparent. C'est parti, je commence par peindre la hotte de cuisine, ensuite je coupe le surplus de mon plan de travail, je trace la partie évier à l'aide de l'ancien plan de travail. J'ai décidé de passer l'ancien évier au karcher pour le récupérer, pour ensuite installer le nouveau robinet dessus. Je coupe la partie plaque de cuisson pareil pour l'installer. Pour recouvrir la crédence, j'ai utilisé le papier céramique, c'est super ça et économique aussi. Et pour finir, je customise toutes les portes et les poignées de la façade et j'ai fini par appliquer le joint. Le projet m'a coûté 418 € en tout pour tout. Voilà le résultat.